Et coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous, ça va. Comme vous voyez, il y a action. Pourquoi? Parce qu'on va faire un Disero challenge. Nikan, participe au team. Nikan est timide. Bon, donc du coup, on va à action. Et on vous fait le 10 euros challenge, chose qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Il faut savoir que on n'est pas riche, hein, mais non. On s'est dit 10 euros. C'est un petit challenge pour nous. Bah oui, ça vous fera un peu de voilà. Temps à regarder. Donc, cool, c'est ça. C'est sympa. On va se faire plaisir. Donc, petite vidéo, on va prendre des choses qu'on a envie, pas des choses forcément pour acheter, mais des choses qu'on a envie avec les 10 euros. Et on va voir qui s'est rapproché au maximum des 10 euros. Donc, c'est parti. Je pense qu'on va commencer par Nikan. Oui. Donc, c'est parti. Il aura combien de temps? Il aura 5 minutes. Tu mets le chrono sur le tien 5. Ou quoi? Oui. Ok, c'est parti. Mon kiki. Entre temps, on a changé d'avis. On a dit comme 10 euros, on va faire 10 minutes. Comme ça, Nikan a le temps de bien choisir ce qu'il veut. Et on a le temps de se déplacer un petit peu rapidement. Donc, Anso va mettre le chrono. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Oui, mais il compte pas, c'est ça le souci. Il compte pas, donc il s'attire mon cul. Bon, Nikan a fini son truc, il pense qu'il a ses 10 euros. On vous montrera le ticket tout à l'heure. Est-ce que tu es content de ce que tu as pris? Oui. Ok. Après 7 minutes. Tu veux pas utiliser tes 7 minutes pour changer quelque chose ou quoi que ce soit? Wow. Ben voilà, utilise-les. Nikan a terminé. Maintenant, ça va être au toi d'Anso. Nikan n'a pas utilisé. Bon, du coup, on pimente un peu. Comme on est plus habitué à action, on va mettre 5 minutes pour nous. Nikan, c'est toi qui tiens le téléphone. C'est moi? Bah oui, c'est ton tour. À moi? Ok, ben ça va être mon tour. Ça va être à mon tour, donc pour moi c'est 5 minutes puisque nous, on connaît à peu près ce qu'il y a à action en général. Donc on va essayer de faire 5 minutes avec des choses que j'ai envie. Voilà. 5 minutes. C'est bon? Allez. Go. Il y a des clients qui sont là que vous étiez en train de les filmer. Pas du tout, non, on filme les pieds. Les produits? Oui. Il faudra vraiment faire gaffe qu'on ne voit pas les jambes. Oui, bien entendu. Oui, voilà. Tout à l'heure, on était en selfie plutôt. Oui, il y a des clients qui sont pleins, donc là, il y avait quelqu'un qui filmait. Ben non, on va les filmer. Ça ne sert à rien. Mais bon, les gens sont. Après la vidéo, elle est démonétisée quand il y a quelqu'un qui est. Ben oui, il faudra faire attention. Bon,
Et non, j'étais sale au cours. Mais on n'a pas fait. Tu vis de traite. Combien de minutes, Karen? 10 minutes. Fini. Ok. C'est bon? J'ai terminé. Mon panier est là et je sais, je pense que je ne m'approche pas des 10 sous. Je pense pas. Je pense qu'il me reste peut-être 1 euro et quelques, 2 euros et quelques. Rayons. Donc voilà, on fume à Anso comme ça parce qu'on a eu quelques petits soucis. Ils pensent qu'on les filme. Donc je filme d'abord à Anso comme ça et ensuite on se retrouvera à la fin pour vous montrer ce qu'elle a trouvé ou pas. Donc 5 minutes pareil, Nikana le chronomètre. Et c'est parti. Ses oreilles quoi. Bon, ça a été compliqué de pouvoir vous filmer dedans, puisqu'on a eu une plainte. Ah zut. Et là, on essaie de vous faire tenir. On essaie de vous faire tenir. Je vous tiens comme ça. On a terminé. Je disais, on n'a pas pu terminer parce qu'on a eu une plainte, malheureusement. Les gens croyaient qu'on les filmait. Voilà. Enfin, c'est pas les gens, c'est que Nikan et Anne soient captés. Malheureusement, il y avait une personne qui était voilée. Malheureusement, il y avait une caissière qui était. Ben, je fais pas ça parce qu'imagine, ils croient que je filme aussi l'enfant. Donc, il y avait une caissière qui était voilée. Apparemment, à un moment donné, Nikan a remarqué qu'elle s'est mise devant la caméra, elle est restée en plan, elle a fait une grimace. Et tout de suite après, il y a une caissière, une responsable, qui est venue nous voir et venue nous dire. Oui, il y a des gens qui se plaignent que vous les filmez, comme par hasard. Hein? Donc, je dis ça, mais on ne parle pas méchamment. Non. La personne aurait pu venir nous parler, nous demander si on l'a filmé elle, mais on ne l'a filmé pas. Non. Donc, ça aurait été mieux d'être comme ça que de passer pour des personnes qui sont en train de filmer les autres, etc., alors que pas du tout. Et que quand même, moi, j'ai pris ça un petit peu mal quand même, parce que quand tu es youtubeur, youtubeuse, même si je ne suis pas une grande youtubeur, youtubeuse, je me dis que... on a le droit quand même de filmer là où on va, surtout qu'on paie, qu'on dépense. Bah, surtout que c'est un truc public. C'est un endroit public, donc je l'ai un peu pris mal parce que imaginez-vous même, vous dites ça, mais en vrai, presque partout il y a des caméras, donc n'importe qui a vos images en gros. Bref. On a fait le challenge, selon vous, avant qu'on vous le dise, ne jouez pas tricheur, avant qu'on vous le dise, qui selon vous a remporté le challenge? Voilà, parce qu'il y a le ou la gagnant ou gagnante. Non, attends. Il y a le ou la précis, quasiment. Il y a le ou la radine. Radin. Et voilà, radine. Le ou la dépensier. Donc. Allez, roulement de tambour. Depuis hier, je sais pas, j'étais dans le tambour. Alors, c'est qui le gagnant ou la gagnante? Et c'est... Nikan. Nikan a eu ticket à l'appui. Ticket à l'appui. Vas-y. Ticket à l'appui. Ticket à l'appui, ressort ton ticket. Et en même temps, tu présentes tes produits. Ouais, en même temps, tu présentes tes articles. Donc, ticket à l'appui. Oui, il n'a pas beaucoup d'articles. Combien d'articles? Il en a eu pour 9,51 €. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, c'était impossible de faire. Et il a été prudent. Oui, lui, il a pris 5 articles. Oh. Non, parce que j'avais si je prenais directement juste un gros natier qui coûte au moins 20 dans les 3 euros. Comme ça. Après, je prenais que des petits. Et après voilà. Bah, c'est Monsieur Prudent. Donc, il a joué la tactique. Montez articles. Alors, il a pris des sockets loto. Allez, Toblerone. Le prix. Le Toblerone pour 3,79 €. Il a pris 2 paquets de marshmallows pour 89 centimes.
des sockets, de toute manière, là, on a besoin, des sockets loto pour 2,95€. Et pour terminer, un paquet de stylos. Je sais pas pourquoi, mais il en a plein. Il en a plein à la maison. Hein. Alors, des stylos pour 99 centimes. Voilà. Ouais. Donc, on continue par qui? Par la Radine. Par la Radine, c'est moi. C'est moi. En fait, je sais pas, j'étais perdue. Je sais même mais plus. Mais t'as fait quand même. Mais c'est pas le tien, ça. Bah, là. Je sais pas. Ça, c'est le même. T'as fait quand même combien d'articles? J'en ai eu pour 11 articles. Oh, c'est elle qui a gagné articles. Les articles. Alors, j'ai pris un gros cheetos comme ça, la base. Tu veux dire le prix? 1,29€. Voilà, un gros cheetos comme ça, c'est la base. Après. Les popcorn. Les popcorn. Anne, tu avais pris ça la dernière fois, sauf que c'est resté chez Sully. Donc, moi, je sais pas celui-là. Et quand ça reste chez Sully, laisse tomber, il y en a plus. Donc, un paquet de popcorn comme ça. 1,29€. Elle a fait le plein de 1,29€. J'ai pris deux petites boissons, genre comme ça. 39 centimes. Donc, il y a le gazeuse tropical, zéro sucre. Et le raspberry, zéro sucre, comme ça. 39 centimes les deux, elle vous l'a dit. Ensuite, oui. J'ai pris des élastiques comme ça. 95 centimes. Trois, je crois, paquets de nouilles. 39 centimes. Attends. C'est où? Nous délicieux aussi. Ah oui, 37 centimes, 1,11€ les trois. Voilà. Un paquet de lingettes démaquillants. 79 centimes. Mais un gâteau à la noix de coco préférée, comme ça. Mariage. 1,29€. Et pour terminer, j'ai pris un grand. Oh, c'est un 4x4. Il y a un mariage qui se passe. Pour terminer, j'ai pris un grand savon liquide main comme ça, parce que ça se dévide à la maison à fond. 1,29€. Raisonnable. Donc, voilà pour moi, je crois, c'est tout. Donc, j'en ai eu, rappelle, 8,79€. 8,79€, elle a sauvé 1,21€ sur son budget. Voilà. Ensuite, il y a Anso, la dépensière. Eh oui, eh oui. Il y a moi, la dépensière. À côté de chez toi, il y a un produit. J'ai acheté 9 articles pour 11,46€. Ça, un déodorant sensitive. 24 heures et tout. 1€. 1€ 1€. 1€ pile. 1€ pile. Un petit paquet de chocolat qui est là, qui vous regarde depuis tout à l'heure. Mon chocolat qui coûte 1,99€. 1,99€, c'est cool. Le truc. Mais c'est des pralinés. Mmh. Un petit piche-piche pour sentir bon, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Le piche-piche, il coûte... Ah non, les pralinés coûtent 1,89€ et le piche-piche 1,99€. Mmh. Les Oncalidi. Il y avait deux sortes de ça. Ensuite, j'ai pris une boisson comme ma soeur, 39 centimes. Quatre trucs comme ça, c'est des collodants, des petites pistaches, des trucs qu'il faut pas, parce que les kilos en plus, 45 centimes, 45 centimes, 45 centimes, 45 centimes. Il y a des goûts spéciaux dessus. Ben non, sésame, sésame. Ah, d'accord. Des trucs comme ça. Et le big truc qui m'a fait plaisir. Et c'est franchement top. Un gel douche et un vapeau, plus encore une petite éponge. Chupa Choups. Cerise. Mon préféré. À 4,39€. C'est ça qui... J'ai dépensé 11,46€. J'ai dépassé le budget d'1,46€. Alors qu'elle, elle a gardé 1,45€. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Cette petite vidéo est terminée. J'ai ce petit monsieur. Ouais. Love, love.
Ouais, et c'est lui qui a remporté. Alors que c'est nous qui ont l'habitude d'aller à Action. Mais l'avantage, c'est qu'elle a des produits vraiment qu'elle aime. Hein. Voilà. Franchement, j'aime, c'est qualitatif et je vais sentir trop bien. Voilà. Donc vraiment, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, quant à nous, on vous fait à tous et à toutes de très gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.